Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'était vraiment pas prévu que je vlog aujourd'hui, mais j'ai des trucs à vous montrer. Et bah là, je vais aller en plus à Leclerc parce que je vais encore faire un plein pour bien m'alimenter à base de fer. D'ailleurs, c'est excellent dans les commentaires. Vous me dites, Caro, prends des petits radis, prends de la viande de grison, prends ça, c'est riche en fer. Donc moi, à chaque fois, je prends note, et puis bah j'achète ou j'achète pas. Mais franchement, c'est cool. Merci pour tous vos petits conseils. Ouais, donc je vais à Leclerc parce que c'est vraiment là que moi je trouve ce que j'aime notamment. Ils ont un rayon bio, mais de toute beauté. Le pain Azym, c'est quelque chose que je prends tout le long de la journée, moi, matin, midi, soir. J'arrête pas, tu sais, quand t'as un petit creux, je grignote ça et je n'en trouve nulle part ailleurs. Bref, donc je vais aller à Leclerc, je vais un petit peu profiter de ce magnifique ciel bleu. Et bah, je vous emmène avec moi. Regardez ça, magnifique, hein? Mais avant toute chose, je me dois de vous parler de ce paquet. On dirait une box, hein, mais non, je vous montre, je pose et je vous explique. J'avais donc reçu cette jolie boîte. Elle est trop mignonne. C'est la marque Masada, en fait. C'est The Natural Therapy. Je suis trop contente. À la base, hein, donc c'était ce produit. Je l'ai reçu grâce à Octoly, la plateforme. Donc j'ai reçu gratuitement. C'était ce produit Complex Cream, énergique, liftant. Et ils m'ont mis donc. Ça, il y avait pas mal de petits échantillons, il y en a deux déjà que j'ai testé. Et également cette petite boîte toute mimi. Et en fait, ce soin que je teste depuis, ouh, ça fait un bon moment, elle est quasiment terminée. Ce qui m'a plu, ce qui a fait que j'ai accepté, c'est en fait à base d'acide hyaluronique, il y a du ginkgo biloba, du ginseng, des huiles essentielles de rose. C'est indiqué en fait pour les peaux qui commencent à souffrir de la déshydratation, moi ce qui est mon cas, hein, très facilement ma peau, je le sens, elle se déshydrate, elle tiraille. Et également, ça aide quand on commence à avoir une petite perte de fermeté. Mais vraiment, ce qui m'a plu, c'est que toutes les compos contiennent des concentrations super élevées d'ingrédients naturels. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé concernant cette marque. La cosmétique Masada combine la biotechnologie organique la plus avancée avec une extraction propre d'actifs naturels de fleurs, feuilles et racines. Et je dois avouer que, en tout cas, sur ma peau, j'ai vraiment ressenti, bon déjà, un effet hyper confort. Ça, c'est super agréable. Je sais pas, ça fait un petit effet. Ouais, ils disent que c'est liftant. Petit effet liftant, voilà. Tenseur très légèrement, bonne mine, voilà, bonne mine. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens de cette marque, de ces produits, enfin des produits notamment que j'ai reçus en barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour voir un petit peu également la compo, tout ça, tout ça. Voilà. Je vais aller voir Eric. Il est pas en forme, comme je vous disais hier. Bon, peut-être il m'a dit que c'était peut-être une bronchite ou je sais pas. Je sais pas. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Je mets mes cuissardes et j'y vais. Tous les jours, il joue à ce jeu. C'est dingue. Vraiment, il adore. Je pourrais rester des heures à le regarder. Je vous explique ce qui s'est passé parce que vous êtes là, me regardez, soit dans votre canapé, dans votre lit, bref. Moi, pendant 1 heure et demie, j'étais en panique. Panique totale, j'avais perdu mon trousseau de clés sur lequel il y a les clés de ma maison, les clés de ma voiture. J'ai retourné toute la maison, j'ai appelé partout parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas utilisé ma voiture depuis les urgences, ça fait 6-7 jours. J'ai appelé tous les lieux, donc les urgences j'ai pas réussi, à Vendôme, les restaurants, les magasins, j'ai appelé nos tons et en fait c'était Eric qui les avait mises parce que lui aussi m'aidait, il n'avait pas capté, il les avait mis dans sa voiture côté là, côté conducteur. Je suis hyper soulagée parce que là j'étais vraiment vraiment en bas. Bon, déjà direct je vais chercher mon petit pain Azym là, je vais me faire mes petites noix de cajou. C'est quoi ça? Oh, ça a l'air trop bon. Non, non, faut pas. Confiture et je m'en vais. Trop de monde, j'en ai marre. Tu te seras pas habillée de la journée? Non. Ça va mieux, toi? Oui, oui. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il y avait un monde de fou, une chaleur. J'ai pris des aliments à base de fer pour moi, j'ai pris des trucs pour Eric, j'ai pris des trucs pour nous faire plaisir. Enfin, je vous montre vite fait.
Ça me donnait trop envie. Ah ouais, ça commence. Hein. Cocktail de fruits rouges. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je prendrai des petites portions que je ferai décongeler et je les mettrai dans mon fromage blanc. Des épinards. Bon, du miel. Petites carottes. Elles sont bonnes, celles-là. Ça fait hyper longtemps, pareil. J'en prends jamais. Des petites compotes. Elles me donnaient envie. C'est frais. Il y a des bananes. Banane, vanille, pomme. Vous savez quoi? Je crois que le mieux, c'est que je mette comme ça. Et s'il y a des trucs intéressants, je vous en parle. Bon, bah ça, hein. Pareil, c'est pas très salé, donc pour Eric, c'est pas mal. Les fameuses soupes qui font polémique. Ça, ça, j'en avais plus. Oh, les boules, donc demain matin, c'est cool, surtout que lundi, c'est férié. J'étais pas certaine que ce soit ouvert. Je vous ai écouté. Viande de grison. Voilà, apparemment, il y a beaucoup, beaucoup de fer. Ça, c'est que pour moi, parce qu'il y a plein de sel. Enfin, je les ai retrouvés. Jus de carotte qu'on ne présente plus. Là, on va être dans la partie gourmandise. Oh, ça fait hyper longtemps, j'aime tellement ça. Qu'est-ce que c'est bon. Ce sachet, là, j'avais déjà goûté. Excellent. Il y a des petites algues dedans. Et ça, bah, pareil, très bon. J'ai pris des noix de cajou parce que bah, très riche en fer. Ça, c'est plutôt pour Eric parce que bah, je le sale pas, c'est pas salé, donc c'est parfait. Puis pour moi aussi. Toujours partie gourmandise, petite tartine à croquer à base de myrtille, je connais pas, mais ça me donnait envie. Des infusions à base de thym, parce qu'apparemment c'est l'une des plantes qui en contient le plus de fer. Et le problème c'est que j'avais acheté un bouquet garni, mais je crois qu'il faut le faire tremper. Bref, je me suis dit autant prendre un truc déjà tout fait. Mes baies de goji, je n'ai jamais pris cette marque, jamais pris comme ça. 7 euros, bah, c'est toujours moins cher que la petite boîte qui était à 10. Hein. La confiture de Papa Eric. Petit craquage. Pignon de pain, pareil. Très bien quand on manque de fer. Ça, parce que gâteau apéro, c'est la base. J'adore. En plus, le médecin, il m'a dit, vous pouvez manger du sel avec vos chutes de tension. Bah, super. Bah, parce que j'adore, en fait. Hein. Avec des frites. Mmh. Ça, c'est une des boissons que je peux boire sans problème. Donc, bah, à chaque fois, j'en prends. Vu que j'ai pu, ma boisson n'existe plus, je la trouve plus. Haricots rouges, de moi-même, j'en aurais pas acheté. Je suis pas très fan, mais pareil, extrêmement riche en fer. Mélange soja, fruits secs. Bon, ça, on va dire que c'est pour me donner un peu de carbu. Vous voyez, ça ressemble à ça. Soja sun, je ne connais pas, mais ça me donnait envie. Mais j'en mange très très rarement. Hein. Des aliments à base de soja, par contre. Et voilà, il n'y a plus qu'à tout ranger. Il est 20h37. Pardon. Je viens de me faire 2 heures de montage pour m'avancer parce que demain matin, on va aller marcher avec Eric. Je crois qu'il y aura peut-être Marie-Jo aussi. Pendant 2 heures, après on enchaînera peut-être, on ira manger quelque part. Donc, il fallait que je m'avance un maximum pour que ce soit fait soir, peut-être demain matin aussi. Mais bon, voilà. Donc, résultat, bah, j'ai entendu Eric à manger. Hein, je lui ai dit de ne pas m'attendre. Moi, je vais aller me faire un petit repas là, maintenant. Et bah, je pense que ça sera devant The Voice ou une série. Mais je crois que je les ai déjà toutes faites, les bonnes séries Netflix, là. J'en ai pas en tête, mais bon. Voilà, donc je vais descendre m'alimenter. N'empêche, tout à l'heure, en rangeant les cours, je me suis fait tomber une boute de conserve et ça me lance. Bon, je pense que ça va, mais moi, je me souviens, ma prof de danse, quand j'étais jeune, elle s'était fait tomber une boîte de conserve et bah, pour le coup, elle l'avait pété. Elle avait pété ses doigts de pied. Donc, attention avec les boîtes de conserve. Attention. Mais dis donc, c'est bien ce qui me semblait. T'étais derrière maman, tu sais que je t'avais pas vu encore. Hein, petit filoupette. Tu es vraiment beau. Bon, bah, c'est quoi ça? C'est quoi ce regard, mon bébé d'amoureux? Que tu es beau. Eric est monté me chercher dans mon bureau. Il m'a dit, il est 9h, car après, tu vas manger trop tard. Je vais me faire un petit peu de ça, viande de grison avec, bah, je les adore. C'est rapide à faire, j'ai pas envie de faire de cuisine là, ce soir il est trop tard. Et oui, si, je voulais ranger mes petites dosettes. Voilà, et puis bah, j'ai mis sur TF1. Thank you.
Bon, je vous retrouve en direct du bureau. Il a voulu regarder The Voice avec moi et c'est vrai que le son est quand même beaucoup mieux avec cet écran. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. On se retrouve dans un nouveau vlog. Je vous emmène dans la nouvelle journée. Salut.